François Derecq, Valérie Mérès, Arnaud Gidois et Isabelle Mergaud. Quel body, ma chère Isabelle, quel body. C'est pas un body. Ah oui? C'est un petit corset. Ah bon? Dominique Body, vous la prêtez peut-être. Arnaud, vous disiez à Annie qu'elle avait une nuit particulièrement agitée non, avant mais me l'émission. Parle n'importe comment. Non, c'est elle, elle met une claque sur les c'est fesses vrai. Avant que ça commence tout le elle temps. Elle a mis une claque sur oui, les c'est rituel, fesses. C'est un rituel maintenant. Oui, non, c'est vrai, je confirme. Hein, c'est vrai. Une nuit très agitée. On va traiter de petit cul. Elle vous a appelé petit cul. Petit cul. C'était ouais. Pas entièrement faux. Oui, je confirme on aussi. Il vaut mieux être petit cul que gros cul. Hein. Tu parles pour quelqu'un qui t'y connaît ou... Alors passons tout de suite à la photo du jour. Cette photo, c'est celle de Jacques Chirac, le président de la République, qui hier a décoré Raymond Poulidor, l'éternel second du cyclisme français. Alors, vous allez me dire, attendre 2003 pour décorer Poupou, c'est quand même énorme. Mais bon, en fait, la cérémonie a été prévue en 1973, mais Poulidor vient seulement d'arriver. Puisqu'on parle d'éternel second, des nouvelles de Lionel Jospin, qui serait toujours en pleine dépression. En effet, apprenant qu'il y aurait eu des partous organisés par des notables dans la région toulousaine, lui qui était élu de Haute-Garonne aurait eu juste ce commentaire, « Même ça, je les ai ratés ». On reste à Toulouse avec la détention provisoire de Patricia, l'ex-prostituée, qui est allée trop loin dans ses révélations. La rumeur allant très vite, il est bon tout de même de préciser, au vu de cette photo, que non, ce n'est pas Michael Jackson qui participait aux soirées organisées dans la région. Allez, des nouvelles maintenant de Maïs People avec la polémique sur l'arrestation de José Bové. François retrace aujourd'hui l'itinéraire du leader de la Confédération paysanne, de sa lutte contre la malbouffe à la défense des éleveurs, jusqu'à son engagement pro-palestinien qu'on lui a beaucoup reproché. On le voit là avec Yasser Arafat. Et c'est vrai qu'il ne faut pas confondre les serviettes de chez McDo avec les torchons d'Yasser Arafat. Bon, c'est pas que... C'est pas que pro-palestinien, c'est aussi pro-gay pride. Hein, ah oui, c'est incroyable, vois, hein. On croirait vraiment qu'ils s'embrassent sur la bouche. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup reproché à José Bové son engagement et quelques phrases un peu malvenues. J'ai raison. Bah, on lui reprochait surtout les conneries qu'il a dites à propos des attentats antisémites en France. C'est la plus grosse des conneries qu'il a faites. Cela dit, vous voyez quand même monter dans l'opinion un sentiment de rejet par rapport à son incarcération. C'était quand même la première page du Monde et c'est vrai qu'il y a une vraie émotion devant malheureusement un symbole. Aujourd'hui à nouveau enfermé, donc dans la prison de Villeneuve-les-Maguelones, José Bové aurait en tout cas réfléchi et déclaré finalement « Je préfère le McDo au pain bagnard ». Adinez-moi un commentaire sur la carte. C'est marrant, alors moi ça m'est complètement égal qu'il reste en tôle, qu'il sorte, que Chirac le gracie ou pas, mais alors pas, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse en revanche, c'est Toulouse avec le procès. C'est-à-dire qu'on ne se trompe pas de procès, qu'on ne fasse pas celui des prostituées, mais plutôt celui des magistrats, des policiers qui ont classé en suicide, ce qui était vraiment des meurtres. Un enfant de 5 ans aurait pu le dire. Oui, mais on te demande sur lui. Eh bien lui, ça m'est égal. J'ai pas assez de place pour mon indignation, ça reste à Toulouse. Parfait. Moi, en tout cas, je retiens ce qu'a dit Annie Lemoine, c'est qu'elle n'avait pas assez d'indignation pour s'indigner et de ce qui se passe à Toulouse et de l'incarcération de José Bové. Et je pense que c'est la même chose pour ton intelligence, tu ne dois pas en avoir assez pour la mettre et sur une cause et sur une... Wow. Il a été payé par Christine O'Krent, c'est sûr. Une autre photo, celle que toute la presse se plaît à montrer depuis hier. Nicolas Sarkozy et Jean-Pierre Raffarin, debout sur une chaise en Corse. Monsieur Raffarin ayant ensuite quitté la Corse pour aller inaugurer le salon Vinexpo à Bordeaux. Le Premier ministre est donc passé de dessus la chaise à sous la table, de manière à assurer un équilibre. Autre photo,
celle des conséquences de la chaleur sur le bon fonctionnement des TGV et les défaillances de la climatisation à bord des trains. La SNCF compte proposer heureusement des réductions sur le hammam qui relie Paris à Marseille en 3 heures et sur le sauna qui vous emmène à Lyon en 2 heures. Une manifestation des usagers réclamant la retraite à 60 kilos est prévue pour dimanche prochain. La photo des soldes, maintenant. Ça commence ce soir, les soldes. Eh oui, oui, Valérie, il faut vous réveiller. C'est parti pour 6 semaines avec des rabais qu'on nous annonce de 50 à 80%. Attention, il faut y aller, évidemment, dès les premiers jours, parce qu'après, c'est comme pour Nice People. Il vous reste plus que Francis Lalanne. Eh oui, on le voit. C'est Francis Lalanne qui a succédé à Maïté dans Nice People. Mais attention, c'est comme pour 60 jours, 60 nuits, l'émission de télé-réalité de Canal+, que Lalanne avait enregistrée il y a quelques mois maintenant. C'est pas pour l'argent qu'il a fait Nice People, Francis. Non, non, non. C'est simplement pour pouvoir chanter ses dernières chansons sans que ceux qui sont autour puissent s'en aller. Il fallait trouver une villa qui était fermée. Voilà. D'ailleurs... il paraît que les candidats de Nice People se seraient déjà plaints de la torture qu'on leur a imposée. Bouffer des verres de Lalanne toute la journée. C'était pas prévu, ils sont rentrés dans Nice People et ils finissent dans les naufragés de Colalanne. C'est dingue le nombre de gens à qui on a proposé de rentrer dans cette émission, qui ont refusé d'ailleurs. Anthony Delon encore hier nous disait qu'il avait lui-même eu une proposition de la part de la chaîne Gérard. C'est comme les gens qui mendient dans la rue, il faut qu'ils demandent à 100 personnes pour qu'il y en ait une qui accepte. TF1 fait exactement pareil. Ils t'ont pas demandé à toi? Dieu merci. Mais enfin. tu veux savoir ce que je leur aurais dit? Non, non, surtout pas. Qu'est-ce que vous leur auriez dit? Merde. C'est non, tout. Non, mais enfin, franchement. Vous avez de la propos, Gérard. Oui, franchement. Quelle violence dans les terres. Derek, on vous aurait proposé? On m'aurait proposé? Oui. Non, j'aurais dit la même chose que Gérard. Même pour beaucoup d'argent? Ah oui, non, pour beaucoup d'argent, bien sûr, j'y serais allé, oui. Hier soir, au Press Club à Paris, a été décerné le prix Humour et Politique. Ben oui, Humour et Politique, c'est compatible. Ça, il paraît, en tout cas, et ça existe même. D'ailleurs, regardez Alain Juppé, par exemple, c'est flagrant. Ce prix vise à élire la phrase la plus hilarante prononcée pendant l'année par une personnalité politique. Seules quelques perles ont été retenues, mais la meilleure, évidemment, reste celle de Lionel Jospin, qui, au mois de mars 2002, avait dit « Je vais gagner ces présidentielles ». Cette année, c'est Renaud Muselier, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui a remporté le prix avec sa phrase « Monsieur Villepin fait tout, moi, je fais le reste. » Avant de recevoir un des sélectionnés de ce prix Humour et Politique, Perry Cochin s'est rendu à la petite réunion qui a décerné le prix et elle a essayé de faire marrer l'Assemblée. Elle a donc testé pour nous l'humour des politiques. Regardez cette caméra cachée par Marcel Bélanger. Bonsoir, Perry Cochin. J'ai testé l'humour des politiques. Bah, c'est pas drôle. Ça suffit. C'est une étude qui est en train d'être faite par l'INSEE en France sur l'humour. Et particulièrement auprès des hommes politiques, nous sommes en train d'évaluer un petit peu avec cet appareil, le zygomètre, qui nous permet de voir si vous avez de l'humour ou pas. Choisissez. Quelle différence y a-t-il entre un homme et une prison? Aucune idée. Eh bien, parfois, dans les prisons, il y a des cellules grises. On parle toujours de l'humour britannique, je suis content qu'on parle un peu de l'humour français. Ce serait bien de vous mettre à l'honneur. Eh bien, racontez-moi une blague. Une bonne blague. Voilà, une bonne blague. Mais alors, ce serait une blague, alors. Ah, moi, oui, si vous pouvez, oui. Pas un mot. Je sais pas, c'est que je suis tombé amoureux de Madame Jolie. Une bonne blague. Une bonne blague. Mais je connais que des salaces, moi. Allez-y, il n'y a pas de problème. Non, je peux pas. Non, allez-y, salaces, c'est drôle. Ouais, non, mais je peux pas. Ma fonction me l'empêche, ça, c'est bon. D'accord. Alors, je vous en donne une, si vous voulez. Alors, bon, alors, on fait la première. Allez-y. Vous connaissez la différence entre un fonctionnaire et un chômeur? Non. Le chômeur, il a déjà travaillé, lui. C'est bon. Ouais, remarquable. L'INSEE qui fait une étude sur l'humour et aujourd'hui on s'intéresse à la classe politique. Bon. Et j'aimerais avoir, si c'est possible, un petit test au zygomètre. Allez-y. Si vous voulez bien me raconter une blague, celle qui vous vient à l'esprit. C'est un juif qui téléphone à sa mère et qui lui dit « Allô maman, ça va ?» Elle répond « Oui mon chéri ». Il dit « Oh excusez-moi, ce doit être un faux numéro ».
L'idée, c'est quand même de nous raconter une blague, la meilleure que vous connaissiez. C'est une histoire vraie. J'ai interviewé un coureur franco-marocain qui s'appelle Driss Mahazouzi, recordman de France du 1500 mètres. Et on ne savait pas s'il allait participer aux Jeux sous les couleurs du Maroc ou de la France. Et je dis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être français ou marocain pour les Jeux? Il dit, j'y suis pas, lundi 2, il décide. Lundi 2, c'est pas vrai. Nous sommes dimanche 1er. Il dit, lundi 2, le directeur de la fédération ou l'entraîneur, lundi 2, il décide. Nelson Montfort, c'est une erreur de casting. Qu'est-ce qu'il faisait là, Nelson Montfort? Peut-être qu'il faisait partie du prix, enfin du jury qui décernait le prix, puisqu'il y avait Jean Amadou, il y avait Pierre Douglas, une journaliste du Point, Catherine Pégard, Yvan Levaille. Mais ça, c'est des journalistes politiques. Mais Nelson Montfort, qu'est-ce qu'il faisait là? On va demander à notre invité, puisque lui aussi faisait partie des nominés, était l'auteur de cette phrase. Il avait dit, il ne faut pas confondre les chars de l'armée rouge avec la bicyclette d'Olivier Besancenot. Qui est l'auteur de cette phrase? Notre invité, le socialiste Jean-Luc Mélenchon. Vous savez ce qu'il faisait là, vous, Nelson Montfort? Non, il n'est pas politique, sauf erreur, non? Il n'est pas politique, il n'est pas journaliste politique. Ouais, mais enfin, ça participe bien du genre, on mélange tout, l'info, la politique, la rigolade, c'est bien, non? Bon, vous étiez content, vous, d'être nominé personnellement pour cette phrase? Alors là, c'est une phrase voulue, une phrase volontaire. Quand vous avez eu ce mot sur Besancenot, sa bicyclette et les chars rouges, vous l'aviez réfléchi, concocté, cette phrase. Et testé avant, parce que on fait des réunions. Quand on fait un congrès, il y a beaucoup de réunions avant. Et donc, on essaye de convaincre avec les arguments qu'on trouve. Et moi, j'aime bien toujours mettre une petite dose d'humour, parce que je trouve que ça fixe les idées. Je rappelle la phrase que j'ai donnée tout à l'heure. Hein, il ne faut pas confondre les chars de l'armée rouge avec la bicyclette d'Olivier Besancenot, facteur, hein, aussi précisons-le. Pour... Qu'est-ce qui vous fait rire, Gérard Miller? Mais vous êtes un vrai bouton de rire, monsieur. Mais non, on ne peut plus être à côté. C'est la deuxième fois qu'on fait une émission, la deuxième fois qu'on fait un fou rire ensemble. C'est pas possible. Je suis désolée. C'est votre phrase qui m'a fait tellement rire, voilà. Bah dis donc, t'es bon public, hein. Il faut expliquer au public. Je crois que je... Je peux me permettre de dire que je connais très bien le Parti Socialiste. Et je crois qu'on peut dire que M. Mélenchon est un des plus drôles orateurs du Parti Socialiste. Oui, regardez, il pleure de rire. Vraiment, hein. C'est vrai. Il a quand je vous ai vu rentrer, je me suis dit, celui-là, on va se marrer sévère. Je vais quand même vous dire une chose, puisque l'occasion se présente. Moi, je ne cherche pas à vous faire rire. Mais je veux dire, c'est pas ma fonction de faire rire, c'est de convaincre. Ce qui est le mieux, c'est peut-être pas le cas, la phrase qui fait rire et qui est involontaire. Est-ce que le gagnant, d'ailleurs, justement, le ministre, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, qui lui dépend donc du ministre des Affaires étrangères, M. de Villepin, quand il a dit, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on a un peu reproché à M. Muselier, qu'on voit ici, finalement, de ne pas être très présent dans la vie politique française, et il a répondu, ah, mais M. de Villepin fait tout, je fais le reste. Quand il a dit ça, est-ce qu'il l'a dit vraiment sciemment, en pensant que c'était un mot d'esprit, en faisant rire, ou est-ce qu'il n'a pas réalisé ce qu'il disait? Moi, je ne le connais pas bien, Muselier, mais il a l'air d'être quelqu'un qui a du recul sur ce qu'il fait. C'est terrifiant d'être dans sa position, parce que c'est l'autre qui fait tout, c'est l'autre qui parle. De Villepin. Et lui, il fait le travail le plus dur, il doit courir partout, porter les messages, aller voir... Alors, il a dû en avoir assez. Le jour où on m'a posé la question, il a dû dire, bon, ça va, moi, je fais le reste, parce qu'il s'en sort par une pirouette. L'humour, des fois, est une protection. Quand même, la vie politique, c'est vrai qu'elle est plus drôle si, de temps en temps, on néglige comme ça quelques pointes d'humour. Encore qu'à l'Assemblée, j'ai pas l'impression qu'on rigole tous les jours, hein, en ce moment, en tout cas. Mais je sais pas si c'est le rôle. Je pense que l'humour, en tout cas dans la politique, on doit le manier avec précaution, parce qu'il faut pas laisser l'idée que ce qu'on fait est drôle, parce que ça l'est pas. Et c'est pas notre rôle de faire les clowns. Parmi les nominés, il y avait Christine de Viejoncourt, dont on se souvient évidemment le rôle dans l'affaire Elf. Elle s'était elle-même autoproclamée pour son livre Putain de la République. Et elle a dit cette phrase, pour ce que j'avais à faire, je n'avais pas besoin de diplôme. Moi, j'aurais voté pour elle. Isabelle ? Vous avez vu ce qu'il a répondu Roland Dumas à propos d'elle? Elle est sortie de mon orbite affective. Il aurait pu gagner, Roland Dumas. Oui, mais il a quand même du cran, parce que honnêtement, il était là. Oui. On l'a vu dans le sujet. Ça m'a soufflé. Je crois que Roland Dumas en veut plus aux journalistes et entre autres à ceux du Monde qu'aux humoristes qui se sont servis de l'affaire pour faire rire. Oui, ben, il n'y a pas les moyens de faire autrement, c'est comme moi. Hein.
Non, par contre, la soirée, il y avait quelque chose d'humiliant, c'est qu'on a encore perdu, puisque même pour dire des bêtises, la droite est plus forte que nous, ils ont eu 3 prix sur 3. Bravo. Ah, il y a plusieurs prix et bah, tout. Il y a eu un prix spécial qui a même été décerné à George W. Bush, mention spéciale au président américain pour sa phrase célèbre « Nous laisserons le pétrole aux Irakiens ». C'est vrai qu'il fallait oser le dire, il l'a fait, il méritait un prix. Ils étaient 16, en tout cas, dans ce jury, à décider qui obtiendrait le premier prix. Il se trouve que c'est le ministre, secrétaire d'État, pardon, aux affaires étrangères, M. Muselier, qui a gagné. Parmi ces membres du jury, je l'ai dit, il y avait Jean Amadou, Emmanuel Delataille, Henri Marc, Yvan Levaille, Catherine Ney, des vrais spécialistes de la vie politique française. Oui, Catherine Ney, elle connaît bien la vie politique, mais je ne l'attendais pas dans le rôle... Elle est marrante, hein. D'humour. Ah oui. Ah oui, c'est une fille très sympathique et très amusante. Ah, sympathique, c'est autre chose. Marrant, c'est une autre affaire. Ah, être sympa et être marrant, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil, c'est vrai. Regardez. Vous êtes marrant, vous êtes peut-être pas sympa. Non, ça c'est vrai. Et Derek, regardez, il est sympa, Derek. Jean-François. Il y en a un qui était assez drôle, je trouve, Louis Giscard d'Estaing, le fils de son père. Ah oui, oui, elle est magnifique. En parlant de son père, il a dit lui, c'est lui et moi, c'est Louis. Ah oui. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Vous, vous avez créé une sorte de, j'allais dire, sous-parti, le mot est... Alors, vous voulez vraiment que j'ai des ennuis, vous. Il y a une vie après l'émission, hein. Voilà. le club Nouveau Monde, il existe toujours ? Eh oui. Hein, au sein de la gauche. Mais pourquoi il n'existerait pas? Bah, je sais pas, parce qu'on entend un peu moins parler ces jours-ci. Eh bien oui, c'est vrai. Surtout qu'on n'a pas fait des exploits au congrès du Parti Socialiste. Donc on a fait 16%, on s'attendait à beaucoup plus, donc on la met un peu en veilleuse, quoi. C'est-à-dire que c'est la gauche de la gauche, toujours? Oui. C'est ça, hein. Et alors, est-ce qu'on peut dire que la gauche de la gauche, c'est la droite de l'extrême gauche? J'essayais de comprendre. Mais moi, j'ai beaucoup de mal parce que, autant politiquement, je suis parfaitement clair et je reconnais tout de suite mon camp, mais dans la vie, j'ai un problème, je ne suis pas le seul. Il y a des milliers de gens comme moi. Vous ne connaissez pas la droite et la gauche. Et alors, il paraît qu'il y a des gens qui ne savent pas reconnaître spontanément devant et derrière. Je vous laisse réfléchir. C'est vrai, hein. Donc c'est pas une blague, hein. C'est vrai, hein. Là, c'est différent, hein. Mais moi, si, je sais, hein. Moi, si j'ai quelqu'un derrière moi, je le sais aussi, franchement. Voilà, et comment vous le savez? Parce qu'il est pas, je le vois pas devant. Oui, mais hey, si vous le voyez pas, vous savez comment qu'il est derrière? Ben, le sang. Ah bah, il a fallu la tirer, celle-là, hein. On va vous remercier, monsieur Jean-Luc Mélenchon. Bonne chance au Nouveau Monde. Glorious. C'est un groupe que le pape pourrait écouter quand il prend son bain en faisant des bulles, si, je vous jure. Et vous savez pourquoi? Parce que la musique que font les 3 membres de ce groupe, 3 frères, c'est de la musique catholique, de la pop louange plus précisément. C'est-à-dire qu'ils reprennent des vieux tubes de louange et ils les revisitent version pop music. Ils ont sorti un album au mois d'octobre dernier et ils seront en concert à la Cigale demain et jeudi. Allez-y pour les hosties et le vin de messe, c'est open bar jusqu'à minuit. Pour tester ensemble Glorious, on va accueillir donc les 3 jeunes membres du groupe. Ils sont frères, je vous l'ai dit, Aurélien, Benjamin et Thomas Pouzin. Trouver le créneau, hein, parce que en ce moment les projecteurs sont braqués sur vous de façon incroyable. Je vous vois sur différents plateaux de télévision, il y a des papiers sur vous dans les hebdomadaires, j'ai vu ça dans l'Express. D'un seul coup, on ne vous connaissait pas, il y a quoi, enfin, en tout cas moi personnellement, il y a un mois, je n'avais jamais entendu parler de vous. Et d'un seul coup, il y a une sorte de reconnaissance. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, on sait pas trop, voilà. C'est vrai que d'un coup, suite à un petit peu à l'article dans l'Express, en fait, voilà, les télés sont... On commençait à appeler chez nous en disant bah, « Les trois, vous nous étonnez, vous nous faites un peu halluciner, on vous veut chez nous, parce que voilà, ce que vous faites, c'est un peu du jamais vu. Voilà, on veut que vous veniez parler chez nous. » Vous êtes un peu, en quelque sorte, le premier boys band catho. On nous le dit souvent, mais comme on dit, regardez nos têtes, est-ce qu'on a l'air de boys band, quand même? C'est vrai, un peu. D'accord. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas chercher. Gérard. Non,
mais c'est pas péjoratif. Ça veut dire que vous êtes plutôt beau garçon, plutôt moderne. Ouais. Et c'est même pour ça, évidemment, que votre album marche. C'est pas vraiment moderne. Moi, j'ai écouté. Je trouve pas ça. Je trouve ça vieillot, en fait. C'est vrai. Vous dites que vous voulez dépoussiérer, mais je trouve que c'est très poussiéreux, en fait. Ah bon. Merci. Non. Merci. Ah, il faut tendre l'autre joue. Hein. C'est ce qu'on vous a appris au catéchisme. Voilà. Attention. Alors, hein. Non. Écoutez, ouais, on en parle et on n'a rien en vue. Enfin, ouais, vous peut-être, oui, parce que vous avez écouté l'album, mais les téléspectateurs ne savent pas tous ce que chante Glorious. Je vous propose d'abord quand même de regarder un extrait de votre spectacle, un concert live enregistré à Chartres. Que les nations sautent de joie, que l'univers adore celui qui est mort sur la croix pour nous sauver. Je loue Dieu, je loue Dieu de la vie, je loue Dieu Jésus-Christ, je loue Dieu, je te bénis, je mets ma vie en Jésus-Christ, je loue le Dieu de la vie. Alors, vous allez répondre aux attaques de mes petits camarades, bien sûr. Est-ce qu'il y en a un des trois plus croyants ou un des trois moins croyants que les autres? J'espère que c'est moi. Le plus croyant. Le plus croyant. Non, est-ce qu'il y en a un qui a entraîné un peu les deux autres? Non, c'est moi qui ai reçu l'appel en premier. Genre l'ange Gabriel, Bouton. Non, pas d'apparition. Non, Bouton, pas d'apparition. Les boys band hors de France. C'est ouais. Ça, non? Ah non, vous avez dit qu'on était un boys band. Non, mais une sorte de nouveau boys band. C'est assez curieux, votre démarche. Non, nous, ouais, notre démarche, contrairement aux autres, ce qu'on pourrait dire, c'est que voilà, nous, on était jeunes, on était en bas du trou, on était tout en bas, on était vraiment mal dans notre vie, on n'avait pas d'avenir. Eh ben, le Seigneur, il est venu, il nous a dit « Je t'aime et je te pardonne et maintenant, va de l'avant. » Voilà. Voilà, ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est que chacun, un jour dans sa vie, puisse mais entendre... Mais vous êtes sincère, message, ça, je dis, ah, mais on est, parce qu'on a des doutes, vie. Vous savez comme on est... Vous savez comme on est méfiant dans cette émission. Ouais, ouais, on est méfiant. C'est pas un discours marketing, c'est pas une maison de disques qui vous a dit « Alors, il faut dire ça. » Chaque matin, on est une heure et demie dans une église à aller à la messe. Oui, mais vraiment, oui, venez vraiment vivre un peu avec nous. Ah non. Après, ça va jaser. Là, pour moi, vous n'êtes pas en concert, vous êtes en croisade. Donc, aux États-Unis, ça existe déjà beaucoup, ce genre de groupe qui cherche à évangéliser les foules. Ça arrive en France. Pour moi, c'est pas une bonne chose. J'imagine pas qu'on vive sa foi comme ça. Et puis, aussi sur le plan musical, je trouve ça kitsch, moi. Ça prend une autre dimension sur scène. Mais en fait, sur scène, il y a quand même une autre dimension parce qu'on se considère un petit peu comme des musiciens un peu supérieur. Il y a des religieuses à poil, que... il y a des trucs super rigolos. Ouais, c'est justement... Non, mais pardon. Mais c'est... Oh, pardon. J'ai quitté le plateau. Mais vous... Fils à terre. Il sera l'adieu. Non. Il sera l'adieu à la cigale ou pas? Oui, j'espère. Je vais juste terminer parce que j'ai quand même peur, on sait jamais. Donc je vais faire un acte de contrition, je vais offrir le CD si je l'aime pas, parce que si là-haut, il y a... Comprenez? Comme oui, pas chez nous. Voilà. Monsieur le curé qui l'a pris, merci. Je ne suis absolument pas croyant. Je déteste même l'ensemble des églises, notamment lorsqu'elles font finalement de l'inquisition ou du prosélytisme exagéré, mais j'ai de la sympathie après tout pour vous, merci, non pas tant pour la musique qui n'est pas la mienne, mais pour le fait que vous osiez venir finalement nous dire autre chose que la plupart des chanteurs qu'on a entendus ici. Je termine en disant qu'actuellement, il y a tellement de raisons d'avoir peur des églises en général, et quand on voit un certain nombre de gens à l'occasion poser des bombes ou égorger d'autres personnes au nom de leur foi, qu'il y ait des gens qui, au nom de leur foi, viennent chanter de la musique et viennent vous dire, merci, vous le dites pas comme ça, mais je vous emmerde, moi j'ai parlé avec Dieu et j'ai envie de faire cette musique-là, je vois absolument pas pourquoi on leur jetterait la pierre. Ah non, mais moi, oui, mais ça, je suis d'accord. Merci. Si vous voulez, si on fait ça aujourd'hui, c'est... On met nos trucs sur la table quand on vient ici. Quand on monte sur scène, on n'a pas un producteur qui nous dit « Alors ce soir, vous dites ça. Si vous dites cette phrase, toi, tu diras celle-là. » On est libre. On est des jeunes qui sommes libres. Et si on peut apporter un brin d'espérance aux jeunes qui cherchent un peu de spiritualité, parce qu'aujourd'hui, quand on écoute de la musique, ben, le fond... Ben c'est sûr que ça, ouais, ça laisse à désirer. Aujourd'hui, on doute un peu de la sincérité, de l'authenticité de beaucoup d'artistes. C'est-à-dire, attention, vous êtes au bord de l'intolérance. Attention. Non. Aujourd'hui, je vous le dis, on doute de la sincérité de certains artistes. C'est vrai, de pas mal d'émissions de stars un peu préfabriquées. Et je crois que les gens, les jeunes, ont soif de quelque chose d'authentique. Et Philippe Winter a chanté « Dieu m'a donné la foi ». Et si vous cartonnez, qu'est-ce que vous ferez?
ferez de cet argent, si vous gagnez beaucoup d'argent? Vous aiderez... Vous savez, aujourd'hui, on est dans une galère de fric impressionnante. Ouais. Parce que voilà, on a mis tout ce qu'on avait quand on a travaillé les étés précédents. On a tout mis sur la table. Si demain, le Seigneur nous donne la chance de gagner de l'argent, bah, très sincèrement, on le remettra au service de l'évangélisation. Bah, donc, vous êtes très cathodique, en tout cas, en ce moment. Parce qu'on vous voit partout à la télévision. On vous voit chez nous ce soir. Puis on vous souhaite, en tout cas, beaucoup de succès à la Cigale. Les 25 et 26. N'hésitez pas alors, juin pour moi aussi, je pense qu'on va essayer. Je suis un peu déçu, Laurent. Pourquoi? Parce que qui est Benjamin? Moi. Alors, moi, j'ai bien étudié la doc. On a parlé de Dieu, on a parlé de chansons. Il y a quelque chose que sait faire Benjamin. On ne peut pas le laisser partir sans ça. Imiter Elie Moon. Oh, ouais, ouais, juste pour le plaisir. Hors caméra, alors. Hein. Ah oui, hors caméra, on ne tourne pas, Elie. C'est bon, c'est bon. Un petit message de Dieu, façon Elie Moon. C'est possible de couper les caméras, merci. Voilà, si c'est possible, j'aimerais dire juste une chose à tous les Français qui me regardent actuellement. J'aimerais leur dire que je crois en Dieu, je l'ai rencontré dans mon cœur, et surtout qu'il vous aime. C'est très bien, très bon. Ben voilà. La Cigale, on va vous le réclamer, Elie Moon. La première partie, c'est moi qui animerai. Voilà, c'est drôle. Allez, il s'appelle Glorious. En tout cas, vous êtes bien sympathique. Merci. Et on vous souhaite un succès, comme je l'ai déjà dit. Merci à tous les trois. La famille Cousin. Le bal des Louves. C'est le roman historique de Mireille Calmel, dont les deux tomes viennent de sortir chez Ixo Éditions. La première partie s'appelle « La chambre maudite » et la seconde, c'est « La vengeance d'Isabeau ». Entre histoire et légende, ces livres sont passionnants, même s'ils sont parfois un peu ardus. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne connaissez pas vraiment les grands événements sociopolitiques et culturels du XVIe siècle, bah, il faut évidemment vous accrocher un peu. Et puis j'ai eu beau chercher, hein, pas une fois, elle ne parle d'Harry Potter. Pour tester ensemble le bal des Louves, c'est presque aussi épais, hein, même plus épais que Harry Potter. On va accueillir tout de suite son auteur. Elle a pris l'habitude de faire des best-sellers à chaque fois qu'elle écrit un roman historique. Voici Mireille Calmel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ah, vous avez donné du travail à notre équipe, là. Ah. Ah bah écoutez, vous rendez compte un peu, là, les deux bouquins d'un seul coup. Pourquoi vous les sortez ensemble, d'ailleurs? Ben parce que c'était un livre vraiment coupé en deux. Quand je l'ai écrit d'un seul tenant. Et puis mon éditeur m'a dit, à la fin de la première partie, j'ai pas du tout envie de le lâcher. Donc il est très gros, on va pas attendre que les gens aient la tendinite comme pour Aliénor. On va effectivement faire deux livres, mais on les sort très très tôt pour qu'ils ne soient pas un peu frustrés, mes lecteurs. Alors, voilà. La chambre maudite à lire en juillet, La vengeance d'Isabeau à lire en août. Par exemple. Hein, on peut dire ça. Par exemple. C'est l'été dernier que vous avez fait un triomphe avec votre précédent bouquin? Oui, hein, ça s'appelait Le lit d'Aliénor. Oui, c'était mon premier roman. Oui. Premier roman, combien de bouquins vendus? Bon, on a fait 800 000 exemplaires. 800 000 exemplaires, ouais, du premier roman, historique déjà. Hein. Ben, j'aime pas qu'on dise roman historique. C'est vraiment un roman. Moi, je suis. J'aime écrire de belles histoires. En fait, je crois que les belles histoires, elles sont intemporelles. Donc, moi, je découvre des belles histoires, je les raconte. Après, voilà. Valérie. Je me sers d'un contexte parce qu'elles vivent dans un contexte. C'est très romanesque. C'est très. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas historique, historique. Vous êtes quand même pas. Ah ben c'est un an de recherche quand même sur chaque bouquin, c'est-à-dire que je veux vraiment que. La Renaissance. Ah oui, il faut vraiment François fouiller. Premier. Et les loups. Je peux pas concevoir d'écrire une histoire sans que derrière il y ait tout ce côté porteur, parce que finalement ce qui est important à rendre, c'est une atmosphère, c'est tout ça. Voilà. On peut pas faire parler des personnages, on peut pas leur donner une identité si on n'a pas la connaissance. Moi je digère tout ce qui a fait leur quotidien et à partir de là, je m'occupe de l'histoire. Le bal des Louves, les deux tomes sortent en même temps. Annie Lemoine, vous avez tout lu? Non, je suis en cours de lecture. Bah oui, non, mais attendez, c'est un livre pour l'été, c'est deux livres pour l'été. Voilà, tout à fait. Alors, on est pour l'hiver, que je sache. On alors, est pour l'hiver. Mais non, mais moi, c'est pas, je vous le dirais franchement, mon genre de bouquin. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour votre savoir-faire, vraiment. Parce que c'est normal que ça plaise, ce genre de bouquin. La liberté, la passion, les sentiments, l'amour, la vengeance, etc. Mais alors, je ne m'attendais pas du tout à vous voir, vous, comme ça, dans cette tête-là, j'allais dire. C'est-à-dire que quand on lit votre... Non, mais c'est vrai, vous avez eu des tas d'ennuis avant d'écrire un best-seller, en fait. Et vous avez failli mourir quand vous étiez une petite fille. L'écriture vous a sauvé la vie, ça, je trouve ça merveilleux. Puis
vous avez ramé pour écrire ce roman. Vous êtes fait aider, vous êtes fait aider financièrement parce que vous faisiez autre chose. Vous n'avez pas les moyens de financer votre recherche. Et puis j'ajouterais à ce que dit Annie Lemoine que quand on voit ce genre de bouquin sortir, je ne sais pas pourquoi, on s'imagine une vieille dame qui... Non mais je vous jure que c'est vrai. Sauf quand on retourne et qu'on voit la photo. Oui, évidemment, mais si on vous dit c'est un roman historique sur la Renaissance, le bal des Louvres, on pense à, comment s'appelle-t-elle, à Frédéric Hébrard, on pense à des gens comme ça. Non, en fait, parce que moi j'ai envie de dire que c'est pas un roman historique sur la Renaissance. C'est un roman historique qui parle d'une femme, de plusieurs femmes qui vont sublimer la souffrance et qui quelque part vont aller vers cette école de la vie qui fait qu'on peut passer par-dessus les épreuves et qu'on peut donner, on peut être. Et c'est vrai qu'il y a des ingrédients, comme vous dites, où on peut vraiment, où on passe du bon temps. Où non, y a... mais y a, c'est vraiment un livre sur le dépassement de nous soi. Nous sommes très contents d'avoir une jeune et jolie romancière qui vient sur ce plateau. Alors c'est une démarche féministe. Voilà, en fait. Alors qu'on s'attendait à avoir une vieille une dame. Mais bon, c'est vrai que. J'espère que je deviendrai une vieille dame qui continue d'écrire, ça, oui. On vous le souhaite, Gérard. Moi, je ne sais pas s'il faut l'appeler vraiment historique, mais c'est un roman populaire. Moi, j'ai toujours aimé cette tradition-là, qui est une tradition, je ne dis pas qu'il a un peu perdu de sa vigueur, mais un petit peu quand même. Moi, j'adore ça. J'adore effectivement cette capacité qu'on a, je dirais, de ne pas être forcément rigoureux dans chaque phrase qu'on écrit, comme Flaubert pouvait l'être, mais c'est bien écrit, c'est intéressant, c'est vivant, on a envie de passer à la suite. Enfin, il n'y a aucune raison de faire de la réserve sur ce type de littérature, de considérer qu'elle serait en dessous. Et je regrette presque qu'on la lise que pendant l'été, comme si c'était quelque chose de secondaire. On ne la lit pas que pendant l'été, regardez, on a le temps aussi, parce que Moi, j'aimerais lire ce type de littérature, j'espère que ça ne vous blessera pas, j'aimerais la lire en feuilleton dans les journaux, comme ça se faisait avant. Ça ne me blesserait pas du tout. J'adore ça. Et je regrette qu'on ait perdu l'habitude des feuilletons dans François, même dans Le Monde ou dans Libération. Revenons à la tradition des feuilletons avec des auteurs comme vous. C'est très adaptable aussi pour la télévision. Valérie, alors. Il y a des beaux rôles de femmes. Je vais être honnête, je n'ai pas fini, parce que je suis ravie parce que je pars à la fin de la semaine en vacances. Je suis ravie d'avoir le tome 2 à lire. Il faut quand même raconter un peu l'histoire de cette Isabeau, qui est une femme. Oui, c'est curieux d'ailleurs ça, Isabeau. C'était une femme, Isabeau. Oui, Isabeau était une femme. C'était Isabelle de Saint-Chamond. Alors c'était qui Isabeau? Isabeau, c'était la fille d'un métayer, et la fille du métayer d'un seigneur d'Auvergne assez cruel. C'est une sorte de Gilles de Rais, pas vraiment sympathique du tout, qui était féru de sciences occultes et surtout qui cherchait la pierre philosophale. La pierre philosophale, c'est un peu le Graal du XVIe siècle. Et cet homme ne reculait devant rien, n'est-ce pas, pour découvrir le secret de l'éternelle jeunesse et le secret de la mutation de l'or. Enfin bon, c'était très compliqué, et très simple à la fois. Et donc cette jeune fille a eu le tort de déplaire à son seigneur, parce qu'elle a refusé de se soumettre au droit de cuissage. Et oui. Et donc il l'a violée, battue. Le jour de son mariage. Et il l'a jetée. Moi je peux vous faire comme faisait de quoi. Il l'a fait pendre son mari. Il l'a violée. Et on commence avec son corps ensanglanté sur le sol. Voilà. Et là on se. Hein, c'est bien comme ça. Ah, il est très bien. Gilles, la TG. Isabelle Mergo. Vous l'avez lu? Le premier pavé, saignant. moi j'adore ce genre de littérature, pareil, je suis comme Gérard et tout. C'est palpitant, c'est haletant, on est tenu. En plus, c'est les femmes qui tiennent les rôles. Il y a de beaux rôles aussi. Hein. Oui, oui, d'accord, mais moi je me suis identifiée d'abord à Isabeau. Mais alors, je la trouve un peu petit bras. Moi je me suis identifiée à François 1er. Regardez le mystère. François 1er. Pas au méchant, alors. Moi, je préfère Luc. Non, pas. C'est sympa. Alors, à vous, Arnaud Gidois, car vous, je sais que vous êtes consciencieux. Eh oui, mais j'ai lu que le 1. C'est lui qu'on appelle le croque-mitaine. J'ai lu le premier bouquin. Et ça la chambre maudite. Moi, j'adore ce genre de littérature. D'habitude, je lis un petit peu plus ce qu'on appelle l'héroïque fantasy, où c'est peuplé d'elfes, de sorciers, etc. Et là, j'ai plongé littéralement dedans. Parce qu'il y a vraiment tout ce que j'aime, quoi. C'est le mélange entre les hommes, les croyances, les légendes. Et non, c'est vraiment un bouquin, ça va être génial pour cet été. Vous aimeriez que ce soit une série télé? J'aimerais beaucoup. Mais je veux dire pourquoi, tout simplement parce que j'ai écrit beaucoup de pièces de théâtre et que je trouve que c'est superbe quand un metteur en scène ou quelqu'un qui a comme ça un autre regard sur ce que vous écrivez lui donne une deuxième vie et lui donne une autre identité. Moi j'ai vu une pièce de théâtre qui a été montée par plusieurs metteurs en scène et c'était jamais la même. Et je trouve que ça, c'est fantastique. Et vous avez déjà imaginé qui pourrait jouer Isabeau? Vous avez une comédienne de préférence? Non, pour l'instant je suis tellement encore dans mes personnages que pour l'instant c'est moi. Et justement dans le rôle d'Isabeau, qu'est-ce que vous diriez d'une actrice comme Isabeau Merguel? Ah, pourquoi pas? C'est bien ça, Jean-François.
pour connaître un peu votre histoire et votre arrivée dans le monde de l'édition, qui vous a fait confiance au départ? Vous étiez une parfaite inconnue, vous arrivez, oui. Bonjour, je m'appelle Mireille Calmel, j'ai même écrit... Même pas, j'ai envoyé par la poste, tout simplement, comme font des milliers de gens qui écrivent comme et qui François rêvent d'être édités. Comme François Sagan à son époque. Voilà, et puis voilà, j'ai envoyé à une vingtaine de maisons d'édition, et puis un jour, j'ai eu Bernard Fixeau au téléphone qui m'a dit, il faut qu'on se voit, et puis voilà, et la magie a commencé, et c'est vrai que c'est devenu... vraiment une belle histoire. Le bal des Louvres, la vengeance d'Isabeau ou la chambre maudite. Mireille Calmel, on vous remercie. C'est chez XO Éditions. Je vous remercie aussi. Il y a quelques temps, Maïté n'a pas fait que sortir de Nice People. Elle a aussi sorti un livre aux éditions Michel Lafon qui s'appelle Conserves et confitures. Et on a déjà fait plein de livres de cuisine, Maïté, mais celui-là est différent des autres puisqu'elle consacre exclusivement ses pages à la fabrication des conserves, confitures, sorbets, liqueurs et sirops. Fini les grands coups de marteau sur la tête des anguilles coriaces, Maïté continue à écraser et broyer tout ce qui passe, mais maintenant ce sont des fruits et légumes, c'est quand même moins cruel. Pour tester ensemble le livre Conserves et confitures, accueillons tout de suite celle qui, après Ophélie Winter et les modèles, a réussi à sortir saine et vierge de la villa, Maïté. Ça va les jeunes, ça vous parle. Ça va bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, à nous. J'ai eu peur pour vous, hein. Qu'est-ce que je vais prendre, cette vierge? Là, je suis armé. C'est vrai que vous êtes sorti intact. Sorti de prison. J'ai pas maigri, je sais pas. Ah non, on n'est pas maigri. Eux, ils ont dû grossir, en revanche. Ah, hein. Ils ont pris 3 kilos. Oui, parce que... 3 kilos, et ils avaient à manger jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est la réserve. C'est un peu injuste. Alors, je sais que TF1 paye très bien les gens qui font rentrer dans Nice People. J'imagine que vous avez touché votre salaire comme les autres. Incroyable, mais sauf que vous... Comment ça, incroyable? Terrible. J'ai pas eu le chèque. J'ai pas eu. Vous n'avez pas reçu encore. Ben, en tout cas, vous le méritez bien, vous, parce que... Je vais vous dire, contrairement à tous les autres, parce que d'habitude, ceux qui rentrent dans la villa, ils rentrent pour ne rien foutre. Je veux dire, on est là-bas pour se reposer pendant une semaine. Vous n'avez pas arrêté de cuisiner. Incroyable. Moi, je dis, ça mérite double salaire. Ah, hein. Eh bien, dites-le. Non, ils étaient très contents, c'est vrai. Et moi, c'était une expérience parce que je me dis, qu'est-ce que je vais foutre là-dedans? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais passer l'état avec ces jeunes? Ils dorment tous ensemble. Je dis, si je dors tous en pile dans les sous. Vous avez dormi où, vous? Et après, j'avais Diana, ces petits strings, ça ne m'allait pas. Je les ai essayés, ils ne m'allaient pas. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? C'est arrivé, moi, j'ai pris mes précautions. Je dis, j'ai essayé, mais ça me rentrait dans les fesses complètement. Là, ça ne me cachait rien, parce que je n'avais pas fait le maillot, moi, je n'avais pas fait les tresses. Il aurait fallu prévoir. Les serres, ils n'étaient pas bronzés encore assez pour... J'ai trouvé que ça ne m'allait pas du tout, j'ai abandonné. Qu'est-ce que vous avez dit, Isabelle Mergault? Faire le maillot, il faut quoi? La débroussailleuse. Oh, la tondeuse à gazon. Moi, je dois dire, on m'a donné une petite compile des meilleurs moments de votre présence dans l'émission. Je pense qu'on peut largement dire que vous avez été l'invité la plus drôle de Nice. C'est gentil, merci. Ah non, franchement, ça veut dire... Merci. Je dois dire qu'il y a une scène fabuleuse, c'est un moment d'anthologie. C'est quand, je sais pas comment, il est quoi, espagnol, italien, Raimundo? Italien. Italien. Quand l'italien découvre que les poules pondent des œufs et que l'œuf sort. On a une génération, mes enfants. Mais ils savent pas que l'œuf sort du trou du cul de la poule. C'est énorme. Ah non, mais ça, il faut le voir. Là, je suis tombé, moi, des nues. Mais il ne voulait pas vous croire. Mais absolument pas, il m'a pris pour une andouille, pour une idiote. Alors, on va quand même en venir à votre livre, Maïté, conserves et confitures. Alors, ça y est, là, vous attaquez aux fruits et légumes, maintenant. Oui, mais c'est l'été, il y a plein de trucs dans les jardins, il y a plein de trucs à mettre. C'est vrai qu'on gaspille beaucoup de fruits, on gaspille beaucoup de légumes, et tandis que là, il faut acheter ce livre, et avec pour les ça, conserver. Vous faites des miracles pour les conserver. L'art de conserver les fruits et légumes tout. Pour les avoir non seulement l'été, mais aussi l'hiver. L'hiver, exactement, et aussi bon. Annie Lemoine, vous avez lu ce roman passionnant. Mais c'est pas un roman. C'est pas un roman. Non, j'ai eu un doute tout à coup. Mélange. Oui, alors j'ai pas compris la fin, Maïté. Non. C'est bon. Si, c'est drôle. Là, on est dans la vanne, la mécanique, quand même. Et là, il est déjà à la fin. Allez-y, mademoiselle Mélenchon.
Écoutez, non, mais ce que je trouve bien avec Maïté, c'est qu'on n'est pas déçu. Quand elle fait un bouquin, ça lui ressemble. C'est un livre un peu rustique, classique, avec des conseils de bon sens, du vrai papier un peu épais, des dessins, les tomates sont rouges, le potiron est rond. Ça lui ressemble, du papier épais. Mais elle a raison. C'est le livre de bon sens, de référence. Bah oui, il faut avoir ça. Il y en a d'autres qui vont sophistiquer un peu plus les plats, les machins, etc. Mais elle, c'est la base, voilà. Donc, quel enthousiasme. Mais ta gueule, toi, ne vous fâchez pas. Comment on peut parler après elle? Elle a dit tout ce qu'on voulait dire. Elle a dit, mais alors tu m'es vraiment... Moi, je t'ai vu hier moins brillant quand tu parlais de la Gay Pride. Mais non, mais elle a raison. Maïté, Valérie, pardon. Oh, bah, écoutez, hein, j'aime autant que ce soit avec Maïté. De toute façon, vous en avez 12 heures. Et vous allez tous repartir avec un, et vous allez vous mettre à faire des conserves en arrivant, vous allez voir. Voilà. Oui, donc, par exemple, moi j'ai plein de cerises, parce que j'ai un cerisier énorme qui a donné plein de cerises, voilà. Je suis ravie. Est-ce que vous les avez toutes mangées? C'est pas vrai. Mais non, c'est les oiseaux qui vous ont aidé. Voilà, donc je vais aller les mettre en bocal. Bien sûr, voilà, mais bien sûr. Elle a raison. Non, mais cela dit. Elle avait le noyau et tout. Maïté, je crois qu'il faut être objectif. Imaginez quelqu'un qui nous écoute et qui ne se... s'intéresse absolument pas aux conserves, qui déteste les confitures et qui ne peut pas vous supporter. Vous êtes d'accord qu'on ne peut pas lui conseiller le livre? Mais non, mais alors... Il faut le conseiller précisément aux gens qui aiment les conserves, les confitures et vous. Mais ça c'est très logique. Ce n'est pas quelqu'un qui ne s'intéresse pas qui va acheter un livre. Il y a des livres que jamais j'achèterai. Le vôtre, par exemple. Mais vous, surtout, ne perdez pas votre temps à acheter ça. Vous n'avez pas la tête à faire des conserves. Congelé. Oui, non, mais c'est le genre de livre que j'aime bien recevoir pour les garder. Voilà. Et je me dis qu'un jour... Peut-être. Oh, peut-être. Et j'ai dans ma bibliothèque tout un rayon qui s'appelle le rayon peut-être. Peut-être. Où il y a des livres que je n'ai jamais lus, jamais ouverts. Peut-être mais que peut-être, vous serez content de les sortir. Exactement. Et de les regarder. Voilà. Ah. Isabelle Mergo, vous avez consulté le livre de Maïté? Bien sûr. Non, ça l'intéresse pas parce qu'elle a une tête à faire des conserves, elle non plus. Je pense pas. Non, absolument pas. Mais vous aimez bien manger, je parie. Oh, moi j'aime tout, oui. Mais je mange de tout, hein. D'accord, vous êtes Je suis pas une fine. Moi, faut un peu que de ça remplisse. Foie gras, aussi bien que des rillettes, aussi bien oui, que oui, des. Oui, oui, oui. Ouais. Mais comment non, moi ça me. Moi j'achète congelé déjà. Oui, voilà. Ouais. Donc, et je ne brise et pas. Tout la... prêt, et tout prêt. Non, pas tout près. Ah non, d'accord. Non, c'est ça, bon. Il va assez loin. Elle est mignonne, c'est bien. Et donc, mais il est simplement fait, il est clair, net, et voilà. Ah, quand même, dites qu'il est parfait. Non, non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des grands espaces comme ça. Et parce qu'il y a une recette, bien sûr. Et on peut écrire nos petites annotations personnelles et rajouter des petits trucs. Ça, c'est exprès. Est-ce que je peux, Maïté, vous poser une question sur vous-même qui m'intrigue? C'est que, comme vous avez une image publique, certainement justifiée, de femme toujours de bonne humeur, toujours bien en chair, toujours satisfaite de la vie, comment ça se passe lorsque, comme chacun de nous, il vous arrive d'avoir des moments de déprime? Est-ce que vous arrivez quand même à garder ce personnage que vous avez créé, qui est certainement en partie vrai, mais en partie faux quand il y a des drames. Comment vous faites à ce moment-là? C'est pas souvent. Je me rappelle pas la dernière fois. C'est pas souvent. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de terrible. Mais autrement, la pièce de théâtre dans laquelle vous avez joué, par exemple. Ah là là, ça c'est terrible. Non. Ça n'a pas marché. Je vomissais le matin, je vomissais. Pourquoi ça ne vous plaisait pas, cette pièce dans laquelle... Parce que vous aviez envie de monter. Je n'avais pas une tête à faire du théâtre. C'est vrai? Mais non. J'ai jamais appris de leçon à l'école. Non plus, ils ont joué sur scène. Ils sont nuls ou quoi? Non, ils ont bien joué sur scène, ça s'est bien passé. On ne vomissait pas, nous, au théâtre. Non. Oui, Gérard. Non, c'est bien. C'est un restaurant qui tourne un truc. On est 14 à y travailler. C'est familial, c'est une équipe. C'est rare si quelqu'un pique une crise, si on est en colère. C'est très rare, très rare, très rare. Merci, un bon coup. C'est de l'eau, hein, Maïté? Oui, il est bon, ce verre. Ah. Vous faites des progrès, quand même. De quel côté on le boit, du plus long ou le plus court? C'est vrai qu'ils sont cons, ces verres. Il y a le verbe être et le verbe avoir. Maïté, conserves et confitures pour pouvoir conserver ses tomates, ses potirons, ses navets. Ça, vous en avez fait quelques-uns. Des champignons, des poireaux, des citrons. Tout. Et les recettes aux herbes à la fin. Et un glossaire, quand même, pour apprendre les mots qu'il faut. Voilà. Hein, pour le fameux Raimundo qui savait pas qu'une poule pondait par le trou du cul. Ah, ça, c'est catastrophique. Ah, ça, c'est... Et ben, voilà. Là, il saura ce que c'est que, par exemple,
une pectine. C'est quoi une pectine? Une pectine. Qu'est-ce que c'est une pectine? Ah, si vous n'avez pas vous-même, alors là, on est mal. Il croyait peut-être que les poissons étaient carrés aussi, alors. Peut-être, mais peut-être que oui. Qu'on met directement dans la poêle, tout pané. Non, c'est vrai, c'est une catastrophe. Bah, vous restez avec nous pour jouer encore. Oui, mon petit. Peut-être vous connaissez notre jeu de fin d'émission, ça s'appelle... Je ne sais pas, dites-moi-le. Quelle grosse caquette. Quelle grosse c'était que je parlais. Quelle grosse caquette. Oh là là. Allez-y. De ma bouche, maman, et pardonnez-moi tout ce que j'aime. Quelle grosse caquette. Ah non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai pas dit ça. Oui, il a dit ça. Ah non, j'ai pas dit ça. À l'oreille. Le kikette dit quoi? Premier, qui a dit quoi des phrases relevées dans la presse, il s'agit de retrouver qui a dit quoi. Ah, c'est principe. Et qui a dit quoi? C'est facile. Adolescent, je rêvais d'être comédien. Mes activités à la radio et à la télévision ne m'en ont jamais laissé le temps. Un animateur? Un animateur, forcément. Il le dit. Est-ce que c'est franchement un bon animateur? Oui, c'est quelqu'un qu'on aime plutôt de bien. De Cabane? Non, qui... il va jouer dans une pièce de Labiche. Celui qui présente avec Patrice Lafont, ou pas? Non, un animateur... Christian Morin. Pas Christian Morin. Lafont? Pas Patrice Lafont. Lagaffe. Un animateur très célèbre, pas Lagaffe. Ah ben... Qui va jouer donc dans Plus heureux des Trois, le Plus heureux des Trois, une comédie d'Eugène Labiche. Il sera entre autres avec Marion Gamme en tournée à travers la France. C'est quand même Foucault. C'est pas Foucault. Pas Jean-Pierre Foucault. C'est quelqu'un qu'on aime bien. Pas Courbet. Quelqu'un qu'on aime bien. Quelqu'un qui est plus de la génération, pardon Maïté. Mais... Pierre Bellemare. Pierre Bellemare, bravo Maïté. Exactement, Pierre Bellemare qui fait ses débuts au théâtre. Et lui souhaite bonne chance. Quel est le problème? Où est le scandale? Sarkozy. Nicolas Sarkozy à propos... De l'incarcération. Ah, Nicolas Sarkozy à propos de José Bové. Bravo. Maïté, est-ce que vous soutenez José Bové, vous? Non. Ah oui? Quand on veut quelque chose, on n'agit pas. C'est pas en démolissant qu'on arrive à faire quelque chose. En détruisant quelque chose, c'est pas un bon... Pour moi, c'est pas un bon exemple. Autre qui a dit quoi? Je n'ai pas le temps de regarder les autres, je suis la tête dans le guidon. C'est un coureur. C'est un coureur cycliste. Ah bon? Pas du tout. Non. Un politique. Pas du tout politique. C'est un animateur? Un animateur que Gérard aime bien, mais je crois qu'il en a un mauvais souvenir. Drucker. Non. J'ai un très bon souvenir de Drucker, quelle drôle d'idée. Un animateur dont j'ai un mauvais souvenir. Pas de lui, mais de son émission. Question pour un champion, là, non? Celui qui... Julien Lepers. Julien Lepers, bravo Annie Lemoine. Je sais que vous aimez beaucoup Julien Lepers, mais en revanche, Marguerite Yourcenar, vous l'avez en revanche. Oh, je ne veux pas vous le rappeler. Un petit oubli. Oh, tu parles. Un petit oubli. Eh bien, puisque vous n'avez pas lu Marguerite Yourcenar, Gérard, vous pourrez lire Maïté. Conserves et confitures, dégustez l'hiver, votre jardin d'été. C'est le principe. Congélation, sorbet, liqueurs et sirops. C'est chez Michel Lafont. Merci Maïté. Merci à vous. À demain à 18h50.